Faites le sport. Faites le sport, c'est important dans la vie. Faites le sport. C'est important dans la vie, faites le sport. Je vous avais promis un direct hier. Hier, je n'ai pas eu le temps. Vous savez qu'en ce moment, ici en France, c'est pas évident. Avec le Covid, c'est pas évident. Donc, on m'a appelé. Mon fils a été cas contact. Il fallait garder les enfants à la maison. Donc, je vais donc faire mon direct là aujourd'hui. Hier, je n'ai pas eu le temps. Et moi-même, je n'étais pas bien. Pour vous dire la vérité, je n'étais pas bien. Hier, je n'étais pas bien. Donc, connectez-vous. On va faire le live là aujourd'hui, ce matin. Parce que ce soir, je ne suis pas sûre d'avoir du temps, non. Je ne suis pas sûre d'avoir du temps ce soir. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont... Est-ce que nous sommes même ensemble? Dites-moi bonjour. Je ne vois pas de 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 bonjour. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Je suis en mode sportive. Comme vous croyez que quand les gens sont sur les réseaux sociaux, on ne fait pas de sport. Moi, je suis une grosse sportive. Hein? Le sport de ça. Donc, connectez-vous. On va faire le live là. Moi, je vais parler, je vais dire une certaine vérité. Je vais m'adresser à Christine, Aline Christine Marie Zomombem. Je vais m'adresser à Aline Christine Marie Zomombem. C'est elle, c'est à elle que je veux m'adresser aujourd'hui. Parce que comme elle est un peu équilibrée, comme elle est un peu équilibrée dans son cerveau. Bonjour, depuis la Suisse, Urbanie, bonjour. Voilà, je lis déjà les écritures. Je croyais qu'il y avait personne qui m'écrivait. Manke Claudia. Bonjour. Paul Sandrine. Bonjour, 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 bonjour. On ne va pas attendre le nombre. Moi, je vais commencer à parler. Attendez, je prends d'abord un truc pour mettre sous ma chaise pour m'asseoir. Eric Lorraine, bonjour. Superbe tenue. Merci. Merci, Eric. Attendez, je prends un truc pour m'asseoir là-dessus, parce que je ne vais pas rester debout longtemps. J'étais courir, hein. J'étais courir, donc j'ai fait du sport, là. J'ai fait du sport. Faites du sport, c'est bon pour la santé. Voilà. Je vais commencer. Claudia, Claudia dit que quoi? Doucement, oh. Doucement de quoi, non, Claudia? Qu'est-ce... Tu as peur de quoi? Vous aimez trop l'hypocrisie sur Facebook ici. Tu as peur de quoi, non, mannequin? Tu as peur de quoi? Tu as peur de ce que je vais dire. Tu sais que dans la vie, parfois, il faut mettre les gens de face à leurs responsabilités. Comme beaucoup de gens sont là, ils ont peut-être peur de dire une certaine vérité à cette minorité, de cette catégorie de personnes-là. Moi, je vais leur dire. Je dis ma vérité, après je quitte sur ça. Et ça chauffe pas. Nati Nas, bonjour. Bonjour. Donc, et ça chauffe pas. Moi, je dis ma vérité à Aline Christine Marie Zomombo. Ok. Je dis ma vérité et je quitte sur ça. Donc aujourd'hui, je voulais m'adresser à ma consoeur pour lui faire comprendre que elle est la plus grande perdante de l'histoire. Et pourquoi je dis ça? Parce que ses choix qu'elle a fait, elle n'aurait pas dû faire ce genre de choix. Vous savez, dans la vie, quand je vous dis que ce qui se passe sur les réseaux sociaux là, c'est maintenant c'est une question de stratégie.
On n'est plus là pour chercher à dire que on veut tellement les followers. On veut tellement les followers ou on veut tellement ou on veut tellement. Non. Nous sommes au stade de où chacun cherche ses intérêts dans les réseaux sociaux. Ouais, mais c'est qui m'envoie. Tu vas me bloquer mon live. Fais pas ça. Nous ne sommes plus au stade où on cherche que on veut se faire aimer par les followers et tout. La personne qui m'écrit là, il m'envoie des messages, il faut arrêter ça. C'est après le live, j'étais libre depuis tout à l'heure, personne ne m'a écrit, personne ne m'a envoyé de message. Hein? Partageons alors la vidéo, qu'on fasse le live. Ma dinkina là, t'as mis un message à l'ombre là. On va voir. Ça m'énerve tellement. Bref. Si. Arrêtons les choses de la honte. Oh putain. Tu. Quand vous savez que quelqu'un est connecté, ce n'est pas le moment d'appeler ni le moment d'envoyer les messages. J'étais là seule tout à l'heure, je n'ai pas reçu de messages, je n'ai pas eu des appels. Dès que je lance ma vidéo, j'ai déjà les appels, j'ai déjà des messages, j'ai déjà. Tout à l'heure, j'étais seule, il n'y avait rien. Dès que je lance ma vidéo, j'ai déjà des messages, j'ai déjà des appels. Et je dis ça, la personne continue. Donc, Élise parle, ton ventre n'est pas le mal. Maurice Israël, bonjour. Donc, je disais que dans la vie, si, on est arrivé à un stade où, ma calcule, ma plan. Moi-même, j'ai été l'investigatrice de ma calcule, ma plan sur les réseaux sociaux. Moi-même. Donc, quand j'ai dit à Aline que tu n'aurais pas dû faire le choix que tu as fait, moi personnellement, je n'aurais jamais invité Foufou. Aline, tu as invité Foufou par question de sentiment. Quand on fait dans un truc comme ça, là, que tu as eu tes nuits. Zé Minande le message, c'est quoi? Et ça me bloque le direct, putain de bordel. Moi personnellement, je n'aurais pas fait ce choix là. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on retient seulement que les filles bêtises ont échoué. Si les bêtises, certains bêtises ne veulent pas vous dire la vérité, que vous êtes parti, vous avez échoué, vous avez fait dans du sale. C'est pas question que tu dis souvent que la terre est sale, la serre est sale. Ma soeur, tu as fait dans du sale. L'image est aussi importante. L'image que vous reflétez est importante. Oui. Il ne faut pas seulement qu'on vienne dire que... Parce que vous voulez déjà transformer ça comme si c'était une histoire tribaliste de Betty et Bamileke. Non. Quand toi, Aline, tu prenais Lolo pour l'amener avec toi, tu savais très bien qui était Lolo. Tu savais très bien que Lolo est Bamileke. Tu as ramassé Lolo. Tu es parti avec elle. Mais tu es parti avec Lolo pour les règlements de compte. Il faut arrêter. Ce que Foufou dit que oh, c'est elle qui t'a dit de choisir Lolo, c'est faux. C'est complètement faux. Ce que Foufou dit que c'est à cause d'elle qu'on a choisi Lolo, c'était prévu qu'on choisisse Fleur de Lille, c'est complètement faux. Ça, c'est pour cogner les têtes.
pour cogner la tête entre Fleur de Lys et Lolo. Et moi, je n'apprécie pas ça. Vous êtes des lâches. Vous êtes des lâches et vous êtes des gens qui sont dans l'opportunisme. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas elle qui a introduit Lolo dans l'histoire. La décision de Mbomozem, dans sa décision de prendre Lolo, elle avait déjà pris cette décision-là seule. Qu'elle part avec Lolo. Et elle a choisi Lolo pourquoi? Parce qu'il faut bien voir la genèse. Elle a choisi Lolo parce que deux jours avant d'annoncer qu'elle doit choisir deux blogueuses pour partir avec au Cameroun, deux jours avant, elle clashait Fleur de Lys. Elle a correctement bien lavé Fleur de Lys. Correctement et bien rincé. Employé des mots gores et destructifs à l'envers de Fleur de Lys. Deux jours avant qu'elle vienne annoncer qu'elle choisit Lolo pour l'amener à la CAN. Elle a choisi Lolo non seulement pour nuire à Fleur de Lys, parce que c'était censé être un buzz. Hein. Moi, je vous dis ça, que c'était censé être un buzz de choisir Lolo et laisser Fleur de Lys derrière, que tu vois, tu dis que tu es la number uno des réseaux sociaux, tu dis que c'est toi la star, tu dis que c'est toi qui contrôle Facebook, mais finalement, ce n'est pas toi, voilà Lolo qui part. À la base, c'était ça, par rapport à Aline. C'était ça à la base. Et en plus de cela, comme Aline Christine Marie Zomombe, c'est que Chantal Aïssi avait de bons rapports avec Lolo. Et vous savez que entre Aline Christine et Chantal Aïssi, c'est le feu. C'est le feu. Oui, elle s'est dit que bon, comme elle va encore prendre Lolo, Chantal Aïssi va voir que ça protégeait. N'est-ce pas, nous tous, on savait ici que Lolo et Chantal Aïssi, c'était comme ça là, hein, qu'ils étaient ensemble, tout. Tu ne peux pas faire que moi, je suis ennemi avec toi. Pour te choquer, pour te détruire, je vais faire ami-ami avec ton ami. Oui. Si Fleur de Lys ne serait pas partie à l'ambassade rencontrer les deux femmes-là, leur buzz aurait réussi. Leur buzz aurait réussi. Mais malheureusement, quand elles sont allées à l'ambassade, Fleur est allée les retrouver là-bas. C'est où ça a détruit leur buzz. Donc, ce que vous dites que, oui, c'est grâce à moi qu'on t'a amené, c'est faux. C'est faux. Et Aline Christine ne peut pas venir démentir parce qu'elle sait qu'il faut bien contenir l'autre. Il faut bien contenir Foufou parce que Foufou n'est pas incontrôlable. Aline Christine, je ne refuse pas. C'est ta soeur Ginger Lobo. Ma Benki. C'est ta soeur Betty, je ne refuse pas. Mais quand l'ordre vient du haut sommet de l'État, ma soeur, on choisit. On choisit avec qui on marche. Même si tu es ennemi avec moi, tu dis que bon, pour l'instant, je prends ma haine de côté, je mets de côté. Je prends d'abord Élise. Parce que Élise va servir mes intérêts. Tu peux prendre Foufou. Tu mets dans la liste. Parce qu'elle t'a défendu dans l'histoire de Bobolo. Je ne refuse pas. Tu prends Lolo. Tu mets dans la liste. On ne fait pas les choses avec la haine. Dieu n'aime pas ça. On ne fait pas les choses avec la haine. Dieu n'aime pas ça. Le bon Dieu n'aime pas ça. Tu as voulu faire les choses de l'invitation de la CAN avec la haine, les trahisons, les règlements de compte. Et c'est dommage parce qu'on ne fait pas ça. Parce que finalement, tu vois que malgré tout ce que tu as voulu faire, c'est toi qui es perdant. Plus personne, je dis que plus personne ne décroche ton numéro. Vrai ou faux? Moi, je dis ce que je connais. Je suis à la source. Personne ne décroche ton numéro. Tes petits simagris que tu fais sur la toile là pour montrer, oh les chaussures, oh les vêtements. Les cadeaux qu'on vous a offerts là, ce sont les cadeaux qui sont déjà préemballés depuis. Préemballés. Ce sont des cadeaux que l'État emballe pour offrir à leurs invités et tout. Vous êtes allés nous faire honte. Moi, en tant que femme bêtise, j'ai eu honte de vous. Ce n'est pas parce que je déteste Lolo que vous allez croire que je vais insulter Lolo pour dire que
Lolo a profité, je ne refuse pas. Est-ce qu'elle vous a dit de l'inviter? Lolo vous a doublé sur votre propre mangeoire. Ouah! Il saoule. Lolo vous a doublé sur votre propre mangeoire. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qu'on appelle qu'une femme est intelligente. Je dis bien que je déteste Lolo. Je ne la hais pas. Mais je la déteste. Parce qu'on a eu à faire des clashs. Et elle allait loin envers ma personne. Mais ce n'est pas pour autant que comme je suis bêtie, je vais venir vous caresser sur le dos de la cuillère. Niet. Je refuse. Vous l'avez amenée pour vous servir d'elle. Et finalement, c'est elle qui a gagné. Lolo a gagné. Ouah. Parce que vous êtes bête. Oui, vous êtes bête. Vous ne savez pas vous tenir. Vous ne savez pas vous tenir. Vous ne savez pas... Le haut sommet de l'État, vous croyez que vous êtes les maquis pour aller pouvoir déstabiliser le Cameroun avec les histoires de tribalisme et autres compagnies. Vous êtes les maquis. Vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Vous avez eu les numéros derrière les numéros. Oui, vous n'avez pas eu un numéro direct. Vous avez eu les numéros. Toi, Aline, c'est de toi que je parle le plus parce que c'est toi l'investigatrice de cette histoire. C'est toi l'investigatrice de cette histoire. Tu as eu les numéros derrière les numéros. On t'a aussi amené et on a écrit ton nom et on t'a dit choisir deux personnes. Parce que quand tu allais te vendre vis-à-vis de ces gens-là, tu allais te vendre avec une bonne image. Aline Christine Marie Zomombom, je croyais que tu étais vraiment intellectuelle comme tu disais. Oui, je n'en dis combien pas. Oh. Tu es intellectuelle. Mais attends. À côté de l'intellectualisme, Feubeti, c'est important d'avoir la sagesse du village. C'est où vous voyez que les filles, là, vous dépassent parce qu'elles ont la sagesse du village. Vous voulez faire le match vu. Vous voulez faire juste parce que vous voulez écraser les gens. Aucune fille, je dis bien qu'elle, aucune fille, Beti, si vous ne comprenez pas que Facebook, c'est la stratégie. Vous n'allez jamais gagner. Parce qu'au fond de vous, vous êtes d'abord des mauvaises personnes. Vous voulez faire pour d'abord détruire vos consoeurs. Et Aline Christine, je suis désolée de voir que aujourd'hui tu es perdante. Quand je vois toutes tes vidéos que tu fais, la honte se lit sur ton visage. La honte se lit sur ton visage que tu as échoué dans ta mission. À cause de tes mauvais choix, tu n'as pas protégé tes numéros. Tu n'as pas protégé les gens qui t'ont permis d'arriver où tu étais. Et je peux te dire que plus jamais, moi je te dis ça, que plus jamais, personne, plus jamais, ne va te faire confiance. Oui, parce que la vie c'est les choix. Tu peux m'aimer, mais tu n'es pas obligé de m'inviter. Quand il faut déjà avoir un nom, se faire une liste, se faire un agenda, on appelle ça agenda. Oui, même ici en Europe, les vraies femmes, même c'est une zone d'escorte girl pour les riches. Ils ont des agendas. Les gens ont leur agenda. Et ils cachent leur agenda comme s'ils cachaient des milliards et des millions. C'est l'agenda de quelqu'un qui fait. Surtout quand tu entres dans un milieu comme tu es entré là. Tu as fuck up. Tu as fuck up par jalousie de tes consoeurs. Tu as fuck up pour narguer les gens. Tu as fuck up. Tu as pris une folle. Tu as mis dans la liste. Tu es parti avec elle. Tu as fuck up parce que... Et maintenant, vous voulez dire que c'est Lolo. Je n'aime pas Lolo. Hein. Je clash Lolo quand je veux. Mais il en est hors de question que je ne lui tire pas mon chapeau. Lolo est resté. Vous êtes rentré. Venez dire que oui, elle a pleuré, elle a ceci. L'histoire retiendra que vous avez amené Lolo, elle vous a dépassé sur votre mangeoire. Ouah. Elle s'est comportée. Vous avez fait dans du sale. Vous avez choisi faire dans du sale. Parce que vous croyez que... Mais est-ce que vous vous rendez compte? Moi, je ne veux pas faire dans... Oh, ce sont les bêtises protégeants. Je ne protège pas la médisance. Je ne protège pas la merde. Parce que je suis bêtise. Vous avez fait dans du sale. Et assumez votre saleté. Ne venez pas vous en prendre à Lolo. Et ne venez pas mêler ça dans du tribalisme en voulant dire que oui, comme elle est bamileke. Non. Je ne suis pas d'accord. Tu peux m'amener. Même la première dame aujourd'hui. Si elle est première dame aujourd'hui, c'est quelqu'un qui l'a amenée.
avant qu'elle ait été choisie. C'était son étoile. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pas autrement. C'était son étoile. C'est une copine qui l'a amenée. Gaga, celle-ci, la pauvre, si je t'amène, j'ai une soirée. Mais quand on l'a amenée là, papa l'a vu et il a choisi de faire d'elle sa femme. Malgré les ondes dit, malgré tout ce que les gens ont dit pour venir gâter derrière. Aujourd'hui, Machan est l'épouse du président de la République. Toi, Aline Christine, tu as fuck up. Tu as fuck up parce que tu as laissé la haine. La haine te dominer. Tu as fuck up parce que tu t'es fait manipuler. Mais au jour d'aujourd'hui, dis la vérité aux gens. Moi, je dis, j'assume. Tous ces gens t'ont tourné le dos. Tu appelles le numéro et non attribué. Tu crois que tu auras encore cette chance un jour? Tu peux te... Oui, Foufou, c'est ta soeur. Je ne refuse pas, hein. Mais attends. Tu pars dans... Où tu sais que bon, tu peux te faire ton carnet d'adresse, tu prends Foufou, tu mets sur le bateau. Hein? Tu prends Foufou, tu mets sur le bateau. Et tu prends Lolo en pensant utiliser Lolo pour ta haine contre tes soeurs. Tu prends Lolo, tu mets sur le bateau. Et arrivé devant, comme Lolo n'a pas voulu faire dans du sale comme vous, aujourd'hui vous voulez mettre toute la faute sur elle et transformer ça en tribalisme. Je vous dis non. Moi, Elie, j'assume. Je vous dis non. Même si je n'aime pas Lolo, je vous dis non. Vous avez fait du sale. Vous n'avez pas assumé. Toi, Aline, tu as fuck up. Tes choix dès le départ menaient à la destruction. Wakeve, vave. Wakenyave. Bakarounou, Zak. Ton veuve. Okeligne. Mais même toi, entre toi et veuve, même c'est le jour et la nuit. Je suis désolée. Ce que Foufou fait, tu ne fais pas ça. Ce que Foufou fait sur les réseaux sociaux, toi, Aline, tu ne fais pas ça. Vous croyez que l'image n'est pas importante? Vous croyez que l'image qu'on rejette n'est pas utile? Hein? Vous croyez que c'est pas utile? Aujourd'hui, c'est Lolo qui a la vedette. Elle va faire son live ce soir. Il y aura près de 6000 vues. Parce que les gens veulent la vraie version. Ce que Foufou fait, on s'en fout. Elle fait du sabotage. C'est maintenant qu'elle se rend compte qu'elle a échoué. Lolo va faire un live ce soir, il y aura plus de 5000 personnes qui vont la regarder. Parce que elle est crédible. Elle est crédible dans ses propos. Ce que Foufou sort là, c'est des balivernes. Dit que c'est elle qui a choisi qu'on prend Lolo, c'est faux. Et tu le sais que c'est faux. Toi-même, tu avais déjà choisi Lolo dans tes manigances de destruction en voulant dire que tu détestes en voulant détester Chantal Aïssi, en voulant narguer Lady Ponce. Oh, moi aussi, j'ai déjà les numéros. Tu as eu les numéros derrière qui? Il est bien vrai qu'on devient quelqu'un derrière quelqu'un. Tu as eu les numéros derrière qui, Aline? Tu allais pleurer devant qui? On te donne ta chance en or. Le haut sommet. On te donne ta chance en or. Le haut sommet. Tu ne calcules pas. Tu ne calcules pas que c'est peut-être ma part de chance. Tu détestes tes soeurs bêtises. Toutes tes soeurs bêtises là, tu les détestes. Pourquoi? Tu les jalouses parce que elles ont la visibilité. Elles n'ont pas seulement la visibilité parce qu'elles ont les numéros. Elles ont la visibilité parce que ce sont des gens que les hauts dirigeants du pays respectent. Tu as ndem, j'assume, mais tu as ndem et tu as honte. Laisse que tu montres les sacs. Ouvrez les cadeaux qu'on vous a envoyés là. Il y a le café dedans. Il y a les produits du Cameroun dedans. Il y a quoi dedans? Il n'y a rien d'extraordinaire dedans. Ce sont les cadeaux préemballés qu'on offre à tous les invités qui viennent pour les histoires du Cameroun. Il n'y a rien de luxueux dedans. Il n'y a rien. Il y a le café, le poivre de Penja, les trucs comme ça. Il y a des produits de notre culture dans vos cadeaux emballés là. Faut pas venir prendre des gens. Vous croyez que comme on est sur les réseaux sociaux, tout le monde est villageois et villageoise. Peut-être certains du pays qui ne connaissent pas. Dans vos cadeaux emballés là, il n'y a rien d'extraordinaire dedans. Rien qui sort de la norme. On tout soit
Parce que voyez-nous, tu as perdu quelque chose que tu n'as pas de chance que Dieu t'a donné. Tu allais pleurer, tes soeurs t'ont dit, tes soeurs petites, tes grands frères et grandes soeurs qui sont devant. T'ont dit qu'ok, comme tu as beaucoup pleuré, que aidez-moi, vous aidez toujours les autres, vous aidez toujours les autres. Moi je suis là, j'ai écrit un livre, je n'ai pas de reconnaissance et tout. Ah ben tu veux nanga, vole ma femme de Mourouan, tout. On a écouté tes pleurs, Aline Christine Marie-Zomomou. Toi tu peux me clasher, je dis que je parle de toi aujourd'hui, après je ne reviens plus sur ça. Parce que moi, je vais te dire la vérité. Je vais te dire la vérité, que tu as échoué et ne crois plus que la chance là va te revenir parce que tu es bloqué de partout. Tout le monde t'a tourné le dos. On s'en fout de Foufou. On s'en fout d'elle. Et Foufou même, elle s'en tape. Celle-là veut qu'on parle de la bien ou qu'on parle de la mal ou rien à cirer. Puisque elle-même veut qu'on parle d'elle. Peu importe comment on parle d'elle. Mais toi, Aline Christine, toi qui as un peu de jugeote dans la tête, tu veux qu'on retienne de toi que lors de la CAN camerounaise, tu as été une invitée de la CAN pour nous représenter et on t'a chassé en 5 jours. Que tu as fait la honte du Cameroun. Toi, tu as un peu de jugeote quand même. Quand même. Et vous voulez que moi, Elie, je viens applaudir et que je viens insulter Lolo parce qu'elle est bamlékée? Non, 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 non. Si elle a bien fait, je dis qu'elle a bien fait. Ouah. Ouah. Je dis qu'elle a bien fait. Si elle a mal fait, je dis qu'elle a mal fait. Ouah. Et quand je veux faire mes contentieux avec elle, je fais mes contentieux avec elle. Ouah, je ne demande pas l'autorisation à quelqu'un. Mais sur ce coup-là, je vous dis qu'elle est venue vous doubler sur votre propre mangeoire. Ouah. Oui, elle s'est comportée. Elle a montré la prestance. Elle a montré sa dignité. Oui. Vous avez fait quoi? Vous étiez là-bas, vous avez fait quoi? Vous avez passé votre temps à vous exhiber à poil. Oui, quand vous ayez fait des vidéos antérieures à poil, c'est une chose. Mais quand vous étiez là-bas, donc vous pensez que comme vous étiez là-bas, tout vous étiez acquis? Que vous deviez faire tout et n'importe quoi? Je ne crois pas. Je ne crois pas que c'est ce qu'on vous a demandé de faire. Même à l'ouverture de la CAN, vous n'avez pas eu des invitations. La honte de ça. À l'ouverture de la CAN, vous n'avez pas eu d'invitation. Pourquoi? Vous nous foutez la honte. Vous nous avez foutu la honte en tant que bêtis. Que les bêtis font au dos de la cuillère parce qu'elles ont peur de venir vous dire les vérités. Rien n'a ciré. Je ne suis pas hypocrite. Je dis mes vérités et j'assume. Que certains viennent mettre ça que c'est à cause, c'est déjà entre Bamileke et Betty. Non, le comportement est quelque chose. Chacun a un passé, chacun a un comportement qu'on a tous affiché sur les réseaux sociaux ici. Au bout d'un certain moment, quand on vous donne une telle mission, comportez-vous. Parce que vous ne portez pas seulement votre image, vous portez aussi l'image de votre appartenance ethnique. Et aujourd'hui, tout le monde insulte les petits à cause de vous. On vient m'insulter à cause de vous, que j'étais là-bas avec vous. On vous dit que moi, si j'étais parti, j'allais aborder ce genre de comportement. Me foutre à poil, la nuit montrer mes seins, faire des vidéos, les seins en l'air. Mais il faut arrêter, s'il vous plaît. On va où là? On va donc, la femme petite se limite au cul en l'air. Oui, selon vous. Selon vous, la femme petite se limite au cul en l'air dans les réseaux sociaux. On a tort veuve, on a tort veuve, ok, veuve. Il faut abonner l'or. Et on dit, tu as tout perdu. Tu as tout perdu. Veuve n'en a rien à cirer. Elle n'en a rien à foutre. Mais toi, Aline, toi qui en as un peu là, c'est à toi que je m'adresse. Ou soin au bloc. Parce que le soin là, la honte là se lit sur ton visage. Je dis, j'assume. La honte que tu as ramassée là se lit sur ton visage. Tu as beau faire style, tu montres les chaussures, tu montres les sacs. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Les sacs que tu montres là, même dans la première brocante ici, on trouve ça ici en France. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Même à AliExpress. Les sacs que tu montres là à AliExpress, ça coûte 15 euros. À tout casser. Hein? Donc laisse-nous ça.
Peut-être que tu veux faire ça pour les petites villageoises du pays, mais arrêtez même au pays maintenant. Il y a pas, les filles ne sont plus tellement villageoises au pays. Hein. Il y a des filles au pays qui dépassent certaines filles de Benin. Oui. Maintenant, vous voulez dire qu'on a rapatrié deux filles boulou. Deux filles boulou que vous aviez, vous affichiez quel comportement là-bas? Quel comportement vous avez affiché là-bas en tant que deux filles boulou? Hein? Quelle est la répercussion que ça a eu sur les réseaux sociaux? Maintenant, il faut salir Lolo. Maintenant, il faut dire que c'est à cause de Lolo. Non. Ce n'est pas à cause d'elle. Lolo a eu un comportement digne. Digne. D'une femme camerounaise. Vous avez eu un comportement sale. Sale. Indigne. Vous avez vraiment montré que vous étiez des prostituées de bas étage. Des prostituées à 10 francs. Vous avez montré qu'ici en Bénin, on vous baise pour 10 euros. Donc votre valeur n'est pas élevée. Votre valeur n'est pas élevée déjà en Europe. Yo, Aline. Mbende Massi Mbén. Je m'adresse à toi. Mon direct, c'est plus pour toi. Mbende Massi Mbén. Le gros cœur ne paye pas, ma soeur. Chantal Aïssi ne te doit rien. Lady Ponce ne te doit rien. Tu détestes ces deux stars-là. Elles sont au courant de toi, mamie. Tu es toujours en train de dénigrer tes soeurs. Tu es toujours en train de dénigrer tes soeurs. Elles te doivent quelque chose. Elles te doivent quelque chose. Je pense pas qu'elles te doivent quelque chose. Imia Kumbe. Tu penses vraiment, vous pouvez vivre dans un même quartier. Est-ce que vous avez tous les mêmes étoiles? Tu as la même étoile que Chantal Aïssi. Tu as pris Lolo pour nuit à Chantal Aïssi. Pour nuit. Comme Lolo aussi, elle est comme elle est, celle-là. On la crème. Je t'ai dit que Lolo, franchement, tu n'as pas de personnalité, pipi. Tu n'as pas de personnalité, pipi. Tu n'as pas de personnalité. Tu veux aussi trop l'intérêt. Tu veux tellement l'intérêt que tu ne vois pas que si je parle là, quel est mon intérêt? Mon intérêt. Toi, on t'utilise comme un Kleenex qu'une femme utilise et jette. Tu es alors parti. Heureusement que tu as eu la décence de bien te tenir. Heureusement. Parce que ne crois pas que tu es à ta place. Ne crois pas que quand on t'a amené là, on t'a amené trop parce qu'on t'aime beaucoup. On t'a amené pour t'utiliser. Oh. Pour t'utiliser. Donc j'espère que dans ton live que tu feras, tu vas bien éclaircir les choses pour remettre chaque chose à son contexte. Vous partez quelque part, c'est vous qui vous enregistrez, c'est vous qui vous filmez, c'est vous, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes censé partir nous représenter, non? Maman, les blogueuses de la diaspora de ça. Vite, nié. Nié, vous blogueuses. Nié. Vite. Nié, vous blogueuses. Et aujourd'hui, vous voulez que on vienne tous se mettre derrière vous. Vous protéger parce qu'on est bêtis. Non. Moi, je ne vous protège pas. Vous avez fait fuck up. Aline, tu as fuck up. Tu as échoué. Ta première mission qu'on te donne, tu as échoué. Tu as tout perdu. Ne fais pas semblant. Les gens qui t'ont mis là devant t'ont tous fui. Ils t'ont tous tourné le dos. Ton visage, c'est la honte qui se lit. Tu as beau faire les forcings. Tu as beau faire. Toi, tu es consciente de ce que tu as perdu. Toi. Aline Christine m'a raison, mon bébé. Tu es consciente de ce que tu as perdu. Foufou n'est pas consciente de ce que tu as perdu. Parce qu'elle s'en fout. Mais toi, tu es consciente que tu as perdu quelque chose de fort. Tu as perdu quelque chose et tu as fait comprendre à tous ces gens qu'on ne peut pas te faire confiance. Oui. Tu as fait comprendre à tous ces gens qu'on ne peut pas. On ne peut même plus amener ton nom quelque part pour dire que aider là. On ne peut plus. Parce que le peu qu'on t'a donné, pour une fois que toi aussi on te donne. On a invité les gens dans les mariages, on ne t'a pas invité, tu as plié le doigt. Tu t'es mis à clasher les hommes-là parce qu'il ne t'a pas invité à son mariage. On invite les gens, tu plies le doigt, tu pars toi-même pleurer que bon,
Ok, mieux je prends mon courage à deux mains. Je m'en vais pleurer sur les pieds de mes soeurs, de mes grands frères et de mes grandes soeurs. Tu pleures, tu pleures, tu pleures. On écoute tes pleurs. On te dit que, bon, ok. Est-ce que tu sais que la dame qui a mené ton nom devant là est mal? Donc tu crois que quelqu'un qui est devant là-bas depuis des années et des années, va perdre son statut pour ta gueule. Hein? Tu crois que quelqu'un va perdre son statut de devant pour ta gueule? Parce que tu n'as pas su gérer. Vous pouvez même lancer 10 directs pendant mon direct. Même si c'est deux personnes qui m'écoutent, je vais parler. Et je vais dire que la honte va vous détruire. Vous avez mal géré, vous avez fait du sale, vous avez souillé tout un peuple, toute une ethnie, toute une tribu que nous sommes, nous les Bétis. L'histoire va retenir qu'on a chassé les deux filles Bétis et la Bamileke est restée au Cameroun. Ouah! Venez mentir, oh, venez faire, oh, venez dire tout ce que vous voulez, rien à foutre. Mais l'histoire retiendra que vous, on vous a chassé, même le test PCR, même le test Covid, on ne vous a pas donné l'opportunité de faire. On est venu vous chercher à Douala, on est venu vous chercher à Yaoundé, direction le vol de Douala, vous n'êtes même pas parti par Yaoundé, vous n'êtes pas rentré par Yaoundé, vous n'êtes pas rentré par Yaoundé. Vous êtes rentré par Douala. On vous a escorté d'un Simalène jusqu'à l'aéroport de Douala pour vous faire partir. Mais vous voyez un peu comment ça pèse. Ça pèse. Pourquoi on ne vous a pas mis à Yaoundé? Pourquoi on ne vous a pas fait partir depuis Yaoundé? On vous a escorté sans test PCR Covid. Allez, 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 allez. Allez, Kalini, ouais. Bzaba. 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 Bien du Febi. Une dent ne peut pas pourrir toute la bouche. Je vous dis ça, qu'il en est hors de question que vous, à cause de vous, que nous autres, on n'ait pas nos chances. Une dent ne peut pas pourrir toute la bouche. Assumez votre honte seule. Parce que vous avez fait dans du sale. Vous avez monté votre bas niveau. Bas niveau. Il y a certaines choses qu'on peut faire ici en Bénin. Mais quand tu arrives au Cameroun, vous savez très bien qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait ici en Bénin. Mais au pays, c'est proscrit. On invite une seule personne, vous portez toutes vos familles. C'est le président, on vous a dit que c'était pour vous, pour toute la famille. Hein? Et aujourd'hui, vous voulez qu'on fasse semblant. Moi, je ne suis pas comme vous. Vous les petits hypocrites des réseaux, les filles bêtises des réseaux sociaux là. Vous les petites hypocrites là. Moi, si je ne mange pas pour de votre pain sale. Quand c'est mal, il faut dire que c'est mal. Quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. Elle est rentrée, elle va faire son direct ce soir. Parce qu'elle a eu la tolérance. Parce qu'elle ne s'est pas comportée comme vous. Elle a eu la tolérance, elle ne s'est pas comportée comme vous. Oui, on est venu vous tous vous chasser, mais elle est restée. Vous dites, oh, quand quelqu'un t'amène, tu dois rentrer aussi. Parce que quoi? Tu peux m'amener, j'ai ma chance. Tu peux m'amener. Moi, j'ai ma chance et j'ai même plus la chance que toi qui m'a amené. Il fallait qu'elle rentre comme c'est vous qui l'avez amené. Une dame chute. Parce que mine de ça, c'est quelqu'un qui vous a dit d'aller vous déshabiller dans les piscines, d'aller faire la publicité du cul, matin, le cul, midi. On vous dit que même les membres du gouvernement, même ici en France, ne vont pas voir les prostituées. On vous dit que même les membres du gouvernement, même ici en Europe, pas te voir des prostituées. Des escort girls. Une vraie escort girl, soit, c'est fermer sa bouche. C'est fermer sa bouche, c'est fermer ses yeux, c'est fermer ses oreilles. Et c'est être discret. Vous vous faites la pimenterie de bas étage à 2 euros. La pimenterie d'Inkassa. Ce n'est pas pour rien qu'on vous a mis dans un hôtel où il n'y a que d'Inkassa. La pimenterie à 2 euros que vous faites. Déjà ici en Bénin, c'est ça. Combien de fois? Mais soyons honnêtes. Aline, c'est de toi que je parle. Je parle de toi.
Oui, ma parole dérange et je vous emmerde. Je vous emmerde. Vous avez fait un choix qu'une nuit. Elise, Aline Christine, Amornem, Onembe Amornem. Tu as un gros cœur. Tu as un gros cœur, Aline Christine, Marie Zomombem. Tu as un gros cœur. Parce que toi, tu ne vois pas la chance que Dieu te donne. Mais quand Dieu te donne ta chance, tu saisis cette chance pour nuire aux autres. Mais tu penses que tes sœurs, là, tes sœurs que tu veux tellement les nuire, tu les vaux? Lady Ponce a un nom planète Terre. C'est une diva. Chantal Aïssi a un nom planète Terre. C'est une diva. Ouah. Ouah. Mais si ta soeur te dépasse, porte son tac. Lolo a porté le sac de Chantal Aïssi pour ses intérêts. Ouah. Lolo a porté le sac de Chantal Aïssi pour ses intérêts. Ouah. Elle a porté, quand elle a aussi eu tout ce qu'elle a eu, elle peut déposer le sac au premier carrefour. Elle dit que bon, comme moi j'ai déjà eu tout ce que je voulais, je dépose le sac ici, je continue ma petite route. On n'est pas un tchinda à vie, hein. On ne peut pas être un tchinda à vie. Toi, tu es venu ramasser Lolo pour nuire à tes soeurs. Pour nuire à tes soeurs, c'est pour ça que tu as ramassé Lolo. Mais en voulant utiliser Lolo, Lolo même est parti avoir l'image plus complaisante devant toi, aux yeux du monde entier. Aussi bien les autorités camerounaises que nous autres qui vous suivaient. Elle a eu une image plus complaisante que toi. Tout ce qu'on a retenu, toi, c'est que tu fais dans la merde, tu fais dans la pornographie. Et maintenant, il faut tuer Lolo. Et moi aussi, comme je déteste Lolo, je dois venir me joindre à vous pour tuer Lolo. Je vous dis que je ne marche pas comme ça. J'ai mes contentieux avec elle que j'assume. Je dis bien, j'assume mes contentieux avec Lolo. Mais dis que je vais aller nuire à Lolo pour vous faire plaisir. Non. Vous avez fuck up. Vous avez sali l'image de la fille petite, de la femme petite. Les gens qui vous disent que laissez ces femmes-là, elles laissez-les profiter. Profitez avec quoi? Vous ne savez pas que l'image compte? Elles sont censées là, elles étaient censées là-bas nous représenter. Maintenant, quand les Bamilekais disent que Lolo était digne, tout le monde dit que Lolo était digne. Est-ce que c'est faux? Tes soeurs, vos soeurs n'ont pas été dignes. Dis donc. Vos soeurs n'ont pas été dignes. Elles n'ont pas supporté le drapeau du Cameroun qu'on leur a permis de partir avec. Lolo était digne, elle a bien porté le drapeau du Cameroun et bien représenté sa famille Bamileke en dignité. Vos soeurs Betty ont fait quoi? Ont fait quoi à se balader en longueur de journée à poil depuis qu'elles sont arrivées au Cameroun? À poil, sans caleçon, c'est le sans caleçon que vous voulez voir. Les seins en l'air. Et vous voulez que moi, Élise, je viens m'asseoir, j'applaudis. Hein, ce sont mes soeurs. Laissez-les profiter. Laissez-les profiter de quoi, Mbitnie, ou Swan, ou Sama. Ou Sama. La honte. La honte de ça. La honte de ça. Le Cameroun tout entier est pris à témoin. Qu'elles ont d'aime. Elles ont fait dans du sale. Et que Lolo a fait dans du propre. Encore une fois de plus, une fille Bamileke est venue vous terrasser sur votre propre territoire. Je dis ça, j'assume. Et c'est pas autrement et je ne mâche pas mes mots. Je ne mâche pas mes mots. Ce qui est sûr, c'est ça. Que ça vous plaise au coup, ça vous en déplaise. C'est ce que tout le monde retient. Que elle au moins, elle a fait dans du propre. Vous avez fait dans du sale nier, à vomir. On se met les doigts dans la gorge et on dégueule. Et vous voulez qu'on vienne applaudir, ce sont tes soeurs, Betty. Za, qui va encore nous faire confiance? Qui va encore nous prendre par derrière que Élise accompagne-moi? Qui? Même si tu veux que quelqu'un t'accompagne, exige un peu de que je boive un coup. Oui, je vais boire un coup. Man, Claudia, si, ma Claudia chérie. Claudia, on est jam. Toi, si tu es en cas, hein, Claudia. Oui, je vais boire un coup, pardon. J'ai même déjà soif à la bouche depuis que je parle là. Claudia. Voilà, il faut qu'il m'aime bien jusqu'à ce souci que je dois boire un coup. Attends, je vais me servir. Elle me
servi un peu que je bois d'abord un coup. Je bois un coup, pardon. Voilà. Attendez. Monsieur, ici, je bois un coup. Je ne vous supporte pas. Je ne vous supporte pas. Vous avez fait dans du sale. Supportez votre saleté. Je suis bêtis, mais je ne vous supporte pas. Je suis bêtis. Je ne vous supporte pas. Ouah. Aline, Christine, Marie, Zomombo. Tcha, fuck up. Tcha, fuck up. Tu as choisi la mauvaise personne. Et que les gens ne s'attendent pas que je dise que tu as choisi la mauvaise personne par rapport à Lolo. Non. Lolo, au moins, tu l'as choisi pour détruire les autres, mais Lolo t'a montré qu'elle est digne. La dignité, c'est quelque chose. Oui, la dignité, c'est quelque chose. Tu es parti prendre Foufou. Tu ignorais les comportements de Foufou. Qui a perdu? Aline, Christine, Marie, Zomombo. Bien dit la vérité que tout le monde t'a tourné le dos. J'ai dit que tout le monde a changé de numéro de téléphone. Tu appelles, tout le monde est abonné aux absents. Tu voulais que, à cause de vos bêtises, que le haut sommet d'État soit insulté, soit détruit, soit référencé par vous deux. Toi, la folle. Hein? Tu voulais que le haut sommet de l'État soit référencé par vous deux. Mais tu es malade. Lolo est resté. Vous dites que, oui, on vous a tous demandé de partir, puisque vous êtes venus à trois. Mais rien n'obligeait au gouvernement d'État. Vous avez été escorté par la police. C'est la police qui est venue vers vous. Vous faire comprendre qu'il faut que vous partiez. Vous n'êtes pas parti de Prince Malen. Vous n'avez même pas fait les tests Covid. On vous a escorté, mes chers frères et sœurs. On a escorté ces individus de Yaoundé à Douala. C'est à Douala qu'elles ont pris les vols pour rentrer en Bénin. Elles sont pas... N'est-ce pas, il y a un aéroport à Yaoundé? Il y a un aéroport à Yaoundé, oui ou non? Mais on ne les a pas fait partir de Yaoundé. On les a amenés à l'aéroport de Douala. C'est de Douala. On a dit que même les tests Covid, là, ça a été fait en 3 minutes. Allez. Pardon. Partez. Et moi, je vais te dire une chose. Aline, Christine, Marie, Zomombo. Comme c'est toi qui as un peu de jugeote dans la tête. C'est pour ça que je dis encore que je m'adresse seulement à toi. Parce que tu en as dans la tête. Moi, je parle aux gens qui en ont dans la tête. Je ne peux pas parler aux gens qui n'ont rien, qui ont la bouillie dans la tête. Tu es française. Tu fais PAC. Tu as un territoire de séjour. Interdiction de territoire sur le séjour. De séjour au Cameroun. Maman Caro, je suis ta soeur. Et c'est moi qui te dis. Et de source sûre, mets-toi bien ce que je te dis là dans la tête, que tu as la nationalité française. Si tu fais chaque interdiction de séjour au Cameroun, moi je te dis, hein, tu me crois ou tu me crois pas, mais tu sais que ce que je dis est vrai. Tu sais l'image de la personne que tu as voulu salir. L'autre, on s'en fout, elle est camerounaise. Elle est camerounaise, on ne peut pas la patrie. Mais toi, on peut te donner l'interdiction de séjour au Cameroun. Parce que tu as la nationalité camerounaise. Vous vous amusez souvent avec le haut sommet de l'État. Vous croyez que les gens là veulent que leur nom soit traîné dans la boue. Non, ça ne marche pas comme ça. Vous ne pouvez pas traîner leur nom dans la boue. La femme qui a amené ton nom devant a eu un malaise parce qu'elle n'était pas au courant de tes bêtises sur les réseaux. Elle a eu un malaise. Elle a vu sa position phare
vouloir être détruite. C'est donné à tout le monde d'être là-bas. On parle du haut sommet de l'État, hein, à cause de vous. Hein. À cause de vous. Aline Christine Marie Zomombe, je ne sais même pas si tu es consciente de ce que tu as perdu. Zébro avait confiance. Tu es, c'est fini comme ça pour toi, hein. C'est bon là pour toi là. Pas même pleurer, oh. Pas même faire quoi, oh. Pas même faire quoi. Oh. C'est déjà fait. C'est 5 ans d'interdiction. Victoria, non, non, tu sais pas. J'avance ce que je connais. Tu dis que c'est déjà fait qu'elle a 5 ans d'interdiction. Je ne crois pas quand même. Hein. Je ne crois pas. Moi, je dis ce que je connais. Il ne faut pas qu'elle fasse PAC. Où elle est là, elle connaît. Que en tant que Française. En tant que Française, elle aura l'interdiction de séjour au Cameroun. Quand vous faites vos choses, vous ne réfléchissez pas. Vous ne réfléchissez pas. Vous croyez que c'est comme aller vendre, c'est comme nos conneries qu'on fait ici en Bengue. Il n'y a pas question des conneries qu'on fait ici en Bengue. Si Aline Marie Christine Zomombe s'amuse là, interdiction de séjour au Cameroun, elle va que rester avec son passeport Bordeaux dans le pays du Bordeaux. Terminé pour elle. Et moi, je t'attire. C'est une sonnette d'alarme. Parce que toi-même, tu sais que tout ce que moi je dis, je ne fais pas dans la récup. Je ne fais pas dans la récup. Je dis la vérité. Que où tu as touché là, c'était fort. On ne fait pas sortir les gens qui sont venus vous chercher n'importe comment. C'est vrai, Lolo a pleuré. C'est vrai. Lolo a pleuré, elle a supplié. Et les gens ont dit qu'il est bien vrai qu'elle n'a pas eu un comportement obsolète comme vous. D'où la tolérance. Oh, s'ils ont les... Ils nous suivent, non? Ils ont le cœur. Les gens là ont aussi un cœur. Ils ont dit qu'effectivement, depuis que vous êtes arrivés, vous avez un comportement plus discret. Contrairement aux autres. Les autres, c'était qui? C'était toi et ta sœur. Maman, le rapatriement militari. Vos pieds ne touchaient pas le sol. Les cadeaux là, on vous remettait ça à l'aéroport. Partez, oh, partez. Et vous savez pourquoi on vous a donné les miettes que vous exhibez là? On vous a donné, le gouvernement camerounais s'est protégé des éventuelles poursuites et des diffamations. C'est pour ça qu'on vous a donné les cadeaux et votre petit chèque, les enveloppes qu'on vous a donné là, que vous ne pouvez pas vous retourner contre eux, que oui, ils se sont servis de vous et après ils vous ont chassé. C'est une façon de se protéger. Comme vous ne connaissez pas, je vous informe, on vous a remis des cadeaux suite à votre invitation, on vous a remis une enveloppe suite à votre invitation et on vous a sommé de quitter le territoire camerounais. Et vous ne pouvez pas venir porter plainte au gouvernement camerounais qu'ils ont profité de vous. Parce qu'ils vous ont libéré en bonne et due forme pour ne pas tâcher leur expulsion vis-à-vis de vous. Donc, Aline, fais-toi plus petite que ça. Tu sais que tu as ndem, tu as fuck up, tu as échoué. Ta chance, tu ne l'as pas saisie. Tu es allé chercher ta chance toi-même, avec ta tête. Et le choix des gens qui t'accompagnent pour ta chance, tu ne les as pas bien fait. Vous ne pouvez pas dire au peuple camerounais, au gouvernement camerounais qui vous a utilisé. C'était une invitation officielle. Oui, c'était une invitation officielle. Et ce n'était aussi que normal que qu'on vous libère officiellement. On vous a libéré officiellement. Sans entache, vous avez reçu des cadeaux. Les cadeaux que vous voyez là, ne croyez pas que c'est les cadeaux de diamants. Hein. Il y a le poivre de Penja, il y a le café du Cameroun, il y a tous nos produits locaux dans les paquets que vous voyez là. Il n'y a rien d'extraordinaire. Il faut leur dire d'ouvrir les cadeaux là, devant vous. Il n'y a rien d'extraordinaire dedans. Ce sont les cadeaux c'est des préemballés pendant les fêtes de Noël. Hein? Donc, toi, Aline, tu crois que les gens qui t'ont mis sur ce chemin-là vont courir le risque
vont courir le risque de perdre leurs affinités pour ta gueule, pour toi. Mais tu es folle, tu es bête, mais je te croyais intelligente, mais on a coûte, on a déjà mis sous l'eau. Tu n'es pas si intelligente que ça, désolé. Et contente-toi de continuer à insulter les gens, parce que côté là-dedans, tu n'as pas, tu n'as pas, tu es aussi comme l'autre. Tu es comme ta consoeur. Hein? Tu crois que quelqu'un de réfléchi aurait d'abord pris une énergumène comme celle-là? Tu partais où avec elle? Tu ignorais qui elle était? On te dit que quand on fait dans les business, quand on fait dans la stratégie, on regarde les sentiments. Il n'y a pas de sentiment dans la stratégie de la réussite de la vie. Désolé. Les deux petits qui sont partis sont rapatriés. Il reste que les Bamilékés là-bas. Wow. Parce qu'elles font dans la stratégie. Elles font dans la stratégie. C'est comme ça et pas autrement. Vous avez amené Lolo, toi. Tu as amené Lolo, il faut que Foufou arrête de dire que c'est elle a choisi Flore. Flore n'était pas dans votre programme. Tu es venu déclarer deux jours après que tu prenais, après avoir bien insulté copieusement Flore. C'était deux jours. Parce que tu as dit que bon, je vais l'insulter, il y aura du monde et maintenant je vais déclarer que ce n'est pas Flore que je prends Lolo. Tu as juste utilisé Lolo. Et Lolo, par chance, arrivée là-bas, elle a dit que c'est maintenant ou jamais. Si je veux aussi gagner ma part de visibilité et garder mon honneur, à moi de bien me comporter. Ce n'était pas prévu. C'est que Foufou dit que c'est elle qui a choisi Flore. Flore, ne te mets pas cette idée-là dans la tête. Foufou n'a pas barré ton nom. Ton nom n'était nulle part. Parce que Mbomozom n'avait pas prévu te prendre. Mbomozom, tu étais son ennemi juré. Donc, elle ne pouvait pas mettre ton nom pour que tu aies la gloire. Jamais. Et par contre, elle savait que si elle prend le nom de Lolo, ce sera genre, tu penses que c'est toi la neuf de Facebook. Tu penses que c'est toi la number uno de Facebook. Tu penses que nous aussi, on ne peut pas avoir les numéros. Tu penses que, regarde celle que j'ai prise. Puisque dans nos têtes à nous tous, on sait que ta meilleure rivale sur la toi, c'est Lolo. Tout le reste là, c'est le fouma. On sait que ta meilleure rivale, c'est Lolo. Oui, c'est comme moi, je dis, j'assume. Hein. J'assume mes propos. Hein. S'il y a bien quelqu'un qui veut te dépasser sur cette toile-ci, c'est Lolo. Et on se sert d'elle. Mais malheureusement, ça n'a pas marché comme on voulait, comme elle voulait. Puisque le lendemain, quand tu allais les prouver à l'ambassade, tu as knock le buzz. Tu ne peux pas imaginer, toi, Flore de Lille, comment tu as knock le buzz de ces filles-là. Si elles seraient parties comme ça, là, rien que Foufou, Zomomboum, et Pipi, le buzz de ça, c'était déjà calculé, médité, avec la complicité de Pipi, sans que Pipi elle-même sait qu'on est en train de l'utiliser. Sans que Pipi sache qu'elle-même, on est en train de l'utiliser. Le but, c'était pour comprendre que elles sont au sommet et pas toi. Donc, ça me fait rire. Les gens qui viennent là, oh non, c'est moi qui a demandé à Aline Christine Marie de plus te prendre Lolo et de ne pas prendre Flore. Flore, que quelqu'un ne te manque pas, c'est moi, Elise, qui te dit ça. Tu n'étais pas dans le programme des influenceuses. Tu n'étais pas dedans. Ce qu'elles sont en train de dire là, c'est faux. Parce que tu n'étais pas dedans. Pourquoi tu viens leur voler la vedette? Pourquoi pour une fois qu'on va aussi parler d'elle, on va parler de Flore? Minalmi. Donc ce que l'autre dit. Hein? Donc ce que l'autre dit que c'est moi, c'est parce qu'elle veut aussi faire un peu son importance. Foufou veut faire sa part aussi d'importance pour dire que bon, elle a dit quelque chose et qu'on l'a écouté. Ave Minalmi. Elle peut dire même quelque chose à Zomombom. Zomombom avait déjà ses plans, hein. Foufou, tu n'es rien. Tu n'es rien, que dalle. Zomombom avait déjà ses plans. Elle avait déjà planifié ses choses. Comment nuire à Flore. Comment rabaisser Flore que j'amène ta soeur Bamileke et pas toi. Mais Zomombom, dans sa stratégie, haine,
et autres, elle a oublié que elle ramassait un kwabe soulou. Un kwabe soulou, ballonne veuve. Elle ramassait la pire des réseaux sociaux et qu'elle s'est chiquinée avec pour l'amener sans savoir que ça va se retourner contre elle. Elle savait pas ça. Que tout ça va se retourner contre elle. Hein? Quand on est venu, maman, le botage de... Je vous dis que on les a escortés comme on escorte les ministres, les hauts dirigeants du pays. De Montfébé à l'aéroport de Douala. Maman, les gens s'arrêtaient même au bord de la route que c'est quel ministre qui passe là. C'est quelle personnalité qui passe encore à l'heure-ci. Hein? Excusez-moi, moi je suis enrhumée depuis deux crashs là. Normalement, la vidéo aussi, je devais faire ça hier. Mais j'étais tellement mal, je n'étais pas bien. J'étais malade. Hein? Les gens s'arrêtaient en coup de rythme que dit que. Mais c'est encore lesquelles personnalités qu'on est en train d'amener? Ou l'ambulance de qui? Sans savoir que c'était... On ne refuse pas. Lolo va vous dire la vérité. Qu'elle a fait comprendre que non, elle ne pouvait pas partir comme ça. Et les gens à côté, ceux qui sont venus les chercher, l'ont dit effectivement, elle a eu un comportement digne. Elle a eu un comportement décent par rapport aux autres. D'où le fait que on lui a fait... Lolo est déjà en France. Hein. Elle est en France. Elle est là, hein. Elle est là. Elle est là. Elle a pris son rôle. Elle est là. Eh, ne pensez pas comme je parle bien de Lolo ici, ça veut dire que je suis son ami. Hein. Ne pensez pas comme je parle de Lolo bien aujourd'hui, ça veut dire que je suis son ami. Je ne suis pas l'ami de Lolo. Mais je n'aime pas l'injustice. Et je n'aime pas l'hypocrisie. Je ne suis pas son ami. Mais je ne veux pas que si ma famille Andem, je viens faire les hypocrites derrière que je vous supporte comme ce sont mes soeurs et quand je les supporte, je ne mange pas de ce pain-là. Mais sachez bien que je déteste Lolo. Je la déteste. Et que quand je vais revenir sur elle, ce sera comme d'habitude. Mais pour l'instant, je parle bien d'elle parce que je ne veux pas faire dans l'hypocrisie. Je ne veux pas faire dans l'hypocrisie. Je ne peux pas faire que quand on abat quelqu'un, je viens, je rajoute, je l'abats encore si j'ai à dire les vérités et les rien que la vérité. Je ne suis pas comme ça. Mais Pipi, ne pense même pas que toi et moi, on est amis. Ne pense même pas. Et que tes gens qui sont là, les Lolo Bagnoc qui sont sur ma page en ce moment-là, comme je parle bien de toi, ramassez vos deux pieds, vous partez d'abord, parce que demain, je vais m'asseoir sur elle. Ouais. Je vais continuer mon combat avec elle. Ce n'est pas ma copine. Ça n'a jamais été ma copine. Mais je la défends, parce que je ne veux pas le faux. Et je ne veux pas que ça se transforme en une histoire tribaliste. Oh, comme elle est Bamileke. Une Bamileke qui vient profiter de vos acquis. On vous donne un numéro. Vous portez la fille du commissaire priseur. Un petit mon commissaire priseur de ça. Portez la fille du commissaire priseur. Partez avec elle. Et vous croyez qu'elle n'est pas intelligente? Lolo est très futée. Hein? Ce que j'apprécie chez elle, c'est qu'elle est fut-fut. Elle est futée. Hein? C'est même la plus futée des réseaux sociaux, comme vous la voyez là. Hein? Ah, vous venez là, vous croyez déjà que. Oh, elle parle bien de. Oh, tata Lolo. Je vous vois déjà écrit ici que tata Lolo. Allez avec votre tata Lolo là, loin. Allez loin avec elle. Parce que quand je vais tourner ma veste demain sur elle, vous et moi, on va être que des ennemis. À vie. J'ai dit ça. À vie, oh. À vie. Je ne vous ai jamais dit qu'elle est moine. On est quota. On n'est pas quota. Être quota avec celle-là. Celle qui a dit que, oh, sauve Augustin. Hashtag sauve Augustin.
Mais bon, bah, pour l'instant, je dis seulement la vérité. Pour l'instant, je dis seulement la vérité par rapport à elles. Que mes soeurs ne pensent pas que je vais les applaudir quand elles ont d'aime. Hmm? Elle est machiavélique et calculatrice. Mais attends, peux-tu croire quoi? Nous, Facebook, vous voyez, c'est mes gens. Nous sommes en jungle. Hein? Chacun cherche son mangement. Même moi, même si que vous me voyez là, je cherche aussi ma part de positionnement. Hein? Je cherche aussi ma part de numéro. Elles m'ont laissé ici. Aline Christique m'a laissé. Elle a pris pipi. Bon, ça, j'ai dit que bon, je digère. J'ai dit que je digère déjà le côté là. Bon, le fait est fait. Le fait est fait. Hein? Elle a pris sa soeur. Sans oublier que c'est sa soeur qui va la détruire. Maman, la honte de ça. Oh, oh le parachutage. Oh, le rapatriement sans test Covid. On l'a fait. On leur a donné le résultat en 3 minutes. Le résultat. Le résultat du test est venu les trouver. Elles étaient déjà dans l'avion que en 3 minutes. C'est, on leur a fait le PCS, l'auto-test automatique. On leur a fait l'auto-test automatique. Allez, crachez, montez le nez. Allez, c'est négatif. Dès que on n'a même pas attendu que la deuxième va arriver vite. Hey, c'est négatif. Allez. Oh, allez-y. C'est qui appelle là? Oui, allô? Merci. 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 Amen. Merci. C'est qui? Tu veux que je te... Moi, je suis en ligne. Tu veux que je mette le volume? Oui, mais je sais, je t'ai reconnu. Oui. Attends, je mets alors le volume puisque tu veux parler. Vas-y, alors t'écoute. Avoir l'argent à tes deux grands soeurs et dans l'hôpital se faire soigner. Vraiment, moi j'ai vécu au Cameroun. Je te jure sur la tête de mes deux parents, mon père et ma mère, si j'ai une occasion pareille, même si on est dans la même maison, je ne peux même pas dévoiler le nom de la personne. Elle devait rester. Comment la veuve va dormir avec sa mère dans la chambre? Elle était à l'option, non? Toute la famille. Ce n'est même pas leur honte à eux seuls. Hein. Et si tu sais que c'est la honte, on va dire, voilà les Mbengis qui nous disent Mbengis, regardez leur comportement. Voilà. Ils ont amené une bambéka, la bambéka, les gars, bien, vous ne connaissez pas. La bambéka, les gars, journée. Voilà. En vrai, jonglage, elle partait avec ses intentions avant de faire n'importe quoi. Elle avait dit, les deux soeurs Yaoundéla ne sont pas intelligentes. Gros bleu, tio, bleu, le moignon. Même si mes bimis, même le moignon, souvent il y a mes bis. Tu lui donnes, tu lui ouvres même les yeux. Tu crois que la vie, vous pensez que la vie est comme ça? Chacun, si l'autre peut tuer l'autre pour gagner, il peut tuer, hein, c'est comme ça la vie d'aujourd'hui. Hein. C'est ça.
que le pays est en zone de turbulence. Mm-hmm, voilà, c'est ça. Le pays est en zone de turbulence. Avec tout ce que les filles là-bas, les gens là, où c'est les babouins qui bavent partout, montrent comment le Cameroun, où c'est le combat du ventre qui font quoi. Vous trouvez une bonne occasion comme ça. Aidez-vous, mangez dans la diplomatie. Non. Mais Aline a perdu, Makana, Aline a tellement, moi je dis la vérité, Aline a perdu à un point où les gens même qui l'ont amenée ne veulent plus entendre parler d'elle. Elle est reboutée, elle est répulsive maintenant. Et bien elle écrit, moi j'ai l'impression parce que, tu sais, elle veut montrer que c'est elle qui est, ce n'est pas son président, elle seule, c'est le président de tous les Camerounais, c'est notre papa. Dans le RDPC. Mm-hmm. Je coupe d'abord ma bite là. Ma bite, on va se parler après. Vous avez aussi. Vous devez donner les ordres. Hein? Et Aline, pour une femme si intelligente, elle s'est fait baiser comme une idiote. Ben, c'est ça? Vraiment? C'est qui a... Je n'ai pas dit que j'ouvrais la ligne, hein, les gens. Je voulais faire mon direct et passer à autre chose. Je n'ai pas dit que j'ouvrais la ligne. Oui, allô? Attendez, j'éteins d'abord le téléphone là. Tout le monde veut, vous voulez intervenir, on va faire le direct où on intervient. Quand c'est pour intervenir, je vous fais comprendre que je mets le numéro, on intervient. Mais là, ce n'est pas un direct pour intervenir. Parce que sinon, ça va me prendre du temps et tout. Et je n'ai pas vraiment envie de rester longtemps sur ce live-là. D'ailleurs, ça fait... Claudia, s'il te plaît, dis-moi, ça fait combien de temps que je suis là? J'éteins le téléphone. Ça fait combien de temps que j'arrête? Non, mais attendez, disons-nous certaines vérités. Où nous sommes tous là, hein? Moi-même, la première, on les a jalousés. Maman, quand on m'a annoncé, quand j'ai vu Pipi et Foufou à l'aéroport, j'ai failli piquer une crise. La jalousie de ça. On était toutes jalouses. Disons-nous les vérités. Moi, j'assume. Au départ, j'étais jalouse d'elle. Une onze, Mambo. Merci, Elise Kamanga. Merci, Mambo de moi. On était toutes jalouses. Moi-même, la première, vous n'avez pas vu le direct que j'ai fait avec la robe rouge là. J'étais en colère, j'étais énervée, surtout que j'étais d'abord partie faire les atalakou à Aline Christine. J'étais jalouse. Après, avec le, j'ai fait ma jalousie deux jours. Je n'en revenais pas, je ne dormais pas. Je dis que comment elle a pu me laisser? Elle a pris Pipi, parce que à la base, c'était plus Pipi, mon ennemi. Elle a pris Pipi, Foufou, alors depuis quand Foufou est influenceuse? Depuis quand? Quand vous êtes allé à la radio, vous n'avez pas amené Foufou à la radio, à la télé. Pourquoi? Parce que vous ne la considérez pas comme une influenceuse. Aline, tu es partie seule. Pipi, tu es partie seule. Flore, tu es partie seule. Vous avez alors laissé Foufou, pourquoi? Donc vous ne la mettez pas dans la case des influenceuses. Elle n'est pas dans la case des influenceuses. Vous l'avez laissée derrière. Vous êtes partie à trois. Vous l'avez alors ramassée ici pour l'amener là-bas. Pourquoi faire? Vous aurez dû nous laisser ici avec notre folle. Vous aurez dû nous laisser avec notre folle ici. Parce que nous, on est ici avec elle. C'est comme ça. C'est son comme ça. Mais comme vous avez eu peur, parce que toi, Aline, tu n'aimes même pas. Tu dis que tu as fait l'école, tu es intellectuelle, tu insultes tout le monde, que les gens n'ont pas fait des études. Mais je vais te dire que moi, je suis plus intelligente que toi. Parce que moi, je n'aurais pas réagi. J'aurais fait ma calcul, ma plan pour mes intérêts, pour satisfaire les gens qui m'ont invité. Que l'image des gens que j'ai... Vous avez tellement fait que... Tellement vous avez trop fait que... Pipi s'est enfermée dans sa chambre d'hôtel. Qu'elle ne veut pas se mélanger à vous. La honte, vous avez trop foutu la honte. Vous avez trop foutu la honte.
Vous avez amené quelqu'un, elle est partie avoir une image plus digne que vous. Et maintenant, vous venez ici, là, c'est comme c'est une bamileke, on a chassé deux boulous, comme c'est une... Oh, je ne mange pas de ce pain-là. Une bamileke qui parle, si je dois faire le direct sur elle, je fais pian. Une petite qui fait dans du sale, si je dois faire le direct sur elle, je fais pian. Je ne mange pas. Ne tribalisez pas votre mauvais comportement. Ne faites pas combien vous supportez parce que vous avez fait genre du sale. Parce que vous avez échoué. Vous avez échoué. Vous avez échoué. Aline Christine Marie Zomomo, tu as tout perdu. Tu as tout perdu. Ton visage ne respire que tristesse. Tu fais le forcing. Regardez, on peut rapatrier quelqu'un avec les cadeaux. C'est les cadeaux composés depuis. Vous avez les mêmes cadeaux. Et vous ouvrez vos cartons là, la même chose qu'il y a dans tes cartons, c'est la même chose qu'il y a dans les cartons de foufou, c'est la même chose qu'il y a dans les cartons de pipi, c'est la même chose. Donc ce n'est pas les cadeaux qu'on vous a offerts, et c'est des préemballés des fêtes de fin d'année que le gouvernement fait souvent pour offrir. C'est les préemballés. Tout ce qu'on vous a offert là, c'est les préemballés. Que le gouvernement va offrir ça à tous leurs invités. Mais vous faites comme si c'est vous seul qu'on a invité. Vous n'êtes pas les seuls. Mais vous n'avez pas saisi votre chance. Vous ne savez pas qu'on peut faire la bouillabaisse sur les réseaux sociaux, mais on te donne ta chance, tu quittes là, tu deviens une femme coordonnatrice quelque part, tu saisis ta chance, on te donne ta chance que, ok, tu as commencé par les réseaux sociaux, voilà ta chance, fais si, surtout toi Aline, Aline tu n'as pas 20 ans, tu n'as pas 20 ans ma bite, tu n'as pas 30 ans, tu n'as pas 40 ans, tu n'as même pas 50 ans, tu as 50 et des poussières. D'ici 6 ou 7 ans, tu auras 60 ans. Tu aurais dû saisir ta chance pour te dire que voilà ma dernière ligne droite. Le gouvernement camerounais peut même aller me mettre quelque part où je suis même, que j'accompagne les gens quelque part. Tu as même ton salaire. Même si tu ne pars pas au Cameroun, ton salaire camerounais te trouve ici. Dans 7 ans, tu as 60 ans. Donc, tu crois que la chance que tu as eue là, les numéros que tu nous as pompé l'air avec là, tu crois que d'ici 7 ans, tu auras encore ça? Soyez à justice. Ne dis pas que moi-même je partais seul. On lui a dit de partir et de choisir deux personnes pour l'accompagner. Dans ce cas, tu fais dans la stratégie pour tes intérêts. Tu choisis des gens que tu sais que quand ça... Le but, c'était que ça fasse scandale. Qu'on dit que oui. On a reproché le ministre des sports qui a organisé, qui avait pris Coco, Emilia, la biscuitaire de mer, là. On a reproché au ministre d'avoir pris biscuitaire de mer et Nathalie, quoi. Seulement comme blogueuse, il n'a pas regardé la diaspora. Comme ça s'est passé... Les gens sont passés derrière pour dire que, ok, bon, au lieu de faire ça, prenez aussi ceci, ils font aussi les directs, ils sont aussi des influenceurs en main. On donne une mission comme celle-là à Zomombem. Que bon, tu viens, mais viens avec deux personnes. Nous toutes, hein, jalousie à part. Vous êtes Camerounais, je suis Camerounaise. Quand tu as ça dans la tête, tu aurais fait comment? Je vous dis que Flor n'était pas dans le programme. Même dans la tête de Zomombem, Flor n'était pas dedans. Zomombem a dit que voilà mon occasion pour narguer les autres. Elle a passé tout son temps au Cameroun à narguer les gens. À narguer qui? Ses consoeurs. Chantal Aïssi, Lady Ponce, oh les chanteuses Mbrakata, les ceci. Non, ma soeur, on t'a donné ta chance. Tu sais où la chance qu'on t'a donnée la t'aurait amenée? Elle n'ira plus nulle part, Salomé. Elle n'ira plus nulle part. Plus personne ne va entendre parler d'elle. Mais c'est un scandale d'État. Mais vous parlez de quoi? Parce qu'on parlait de ça sur les réseaux sociaux. Vous voyez les noms qui sont sortis dedans?
Est-ce que vous voyez les noms qui sont sortis dedans? C'est parce qu'on ne veut pas prononcer les noms de haut placés que ça les touche directement. Quand on vous dit qu'on envoie toute une escorte de la police venir les escorter pour l'aéroport, hein? Vous parlez de quoi? Vous croyez que c'est un petit truc? Ça a touché le haut sommet de l'État, cette histoire que vous voyez là. Ce n'est pas des pètes-pètes, des histoires de buzz et autres compagnies. Quand on a découvert que c'est ça là, hein, ça fait boum. Et pour protéger leur image, pour protéger la canne du Cameroun, et pour virer ce mot, il a fallu qu'on les vire aussi officiellement et officieusement. Qu'on leur donne une enveloppe et qu'on leur donne des cadeaux. Elles sont rentrées avec des cadeaux, elles sont rentrées avec l'enveloppe. Elles viennent du Cameroun. On ne les aurait pas donné les euros, mais on leur a donné un cachet en CFA. Ce qui est normal. Le Cameroun, c'est le CFA, c'est pas de l'euro. Donc vous croyez que le Cameroun aurait couru le risque que les gens viennent leur dire que portez leur plainte. Si c'était une invitation officielle et officieuse, ils pouvaient se retourner contre l'État camerounais. Désolé. Ne prenez pas ce qui se passe là comme la blague. Hein. C'est très grave. C'est fini pour Zomembe. C'est fini pour elle. Qu'elle ne vienne pas vous dire que j'ai les numéros. Les gens même qui l'ont amené vers où avoir les numéros et l'invitation là ont eu des palpitations de cœur parce qu'ils ont vu qu'elles vont perdre leur place. Elles vont perdre comment on dit ça, quand quelqu'un te fait confiance. Quand quelqu'un te fait confiance, que oui, vas-y. On fait confiance. La personne qui allait inscrire le nom de Zomombom et Foufou et Pipi là-bas, c'est quelqu'un de confiance. Je n'ai pas, si je te fais confiance, je n'ai pas besoin de venir vérifier. Je te fais confiance. Je n'ai pas besoin de venir vérifier que c'est qui, c'est comment. Le nom est arrivé, on a signé, on a parachuté. Hein? Perdre leur crédibilité, mente poivrée, merci beaucoup. Perdre leur crédibilité, ils sont mal. Mais vous parlez de quoi? C'est parce que ça se tâche. Je vous dis que je parle encore de cette histoire aujourd'hui. Après, je ne parle plus de ça. C'est mort, c'est mort. Pipi, fais ton direct ce soir. Donne la vraie version, s'il te plaît, parce que tu as été digne. Elles ont fuck up. Mes soeurs Betty ont fuck up. Elles ont fuck up. Oui. Elles sont fuck up. Donc quand tu vas faire ton direct sur toi, dis toute la vérité et rien que la vérité, on quitte sur ça. Et cette histoire doit, la page là doit se fermer. Parce que maintenant, nous de la diaspora qui crions, qui gueulons, qui espérons quand même que si le gouvernement nous reconnaît quand même un peu tout ça. Mais oh, vous croyez que moi j'ai envie qu'on me relie mon image à Foufou? Vous croyez que j'ai envie qu'on relie mon image à Foufou? Hein? Vous croyez? Elle dit que Lolo disait à Zomombom de se méfier de Foufou. Avec raison. Avec raison. Parce que certainement que Lolo a compris que quand le contexte là maintenant, c'est l'image qui joue. On a rapatrié les deux folles. Lolo est resté. Oh, l'histoire retiendra ça que les filles bêtises, c'est les moins que rien. Les vanupiers, les zébinga, ça c'est bumboué lang. Donc, allez, on a laissé l'autre. Oui, Karine Bibiane. Oh, ma Karine Bibiane Richaud, ma chérie d'amour, ma préférée de la basse. Oh, ma Bic, je t'aime comme le tarot aime la sauce jaune. Je t'aime comme le tarot aime la sauce jaune. Oh, ah. Hey, venez doucement ici. Je l'aime comme le tarot aime la sauce jaune. Vous allez me faire quoi? Hein? Donc, voilà. Donc, arrêtez de faire comme si c'est une petite histoire, que c'est de l'amusement et tout. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas de l'amusement. Hein? Elles ont d'aime. Donc on va venir salir l'image du Cameroun à cause de deux folles. Bois Bandé, montez Bois Bandé. Je veux que les autorités, je veux Mbinda. J'essaye même avec vous, machin. Mais attends, Aline, tu es quand même allé à l'école. Tu es même allé à l'école plus que moi, Aline. Tu es allé à l'école plus que moi. Moi, je n'ai pas eu la chance. Hein? Hmm?
Vous riez même quoi? Vous n'aimez pas que les gens disent les vérités. Vous riez quoi? Et que, comme j'ai même éteint le téléphone. Vous voulez souiller toute une tribu. Vous voulez souiller toute une appartenance ethnique. Attends un peu, Oili. Tu dis que si les autorités pardonnent là-bas, ils pardonnent aussi à Lim. Ça n'a rien à voir. Les autorités ne partent pas directement vers les gens. Les autorités ont des gens qui leur amènent des noms. C'est comme même les ministres qu'on nomme ministres là. Hein. Excusez-moi. Même les ministres qu'on nomme ministres, on amène ton nom sur la table. On donne tes compétences. On donne ton curriculum vitae. On donne ce que tu as déjà fait pour le Cameroun. Et maintenant, on choisit de te nommer ou pas. Donc, quand tu dis que si on a pardonné, on doit pardonner. Non. Les gens qui les ont... On n'était pas au courant. Je vous dis que c'est quelque chose que le gouvernement n'était pas au courant de. Leurs noms sont arrivés comme ça, là. Sur la table. Que voilà les noms que... On a dit qu'ils doivent aussi venir. Elles étaient là-bas pour un mois. Logées, nourries, blanches. Attention, ce n'est pas rien. Et ce ne sont pas les seuls. On a ramené les noms. On a mis la signature. Ok, on fait confiance. On fait confiance. C'est d'où le fait que, comme il n'y a pas eu d'enquête de moralité, il n'y a pas eu d'enquête de moralité. C'est la honte là qui les a rattrapés. Parce que quand on a alors... Vous avez fait aussi du sale, hein? Vous les internautes, vous avez fait dans du sale. Vous avez déterré toutes les vidéos d'Aline, où elle faisait le truc, où vous avez foufou alors, c'est à la tout-va, même étant là-bas, elle montrait ses seins en l'air. Vous avez tout pris, vous avez tout, vous avez envoyé partout. Mais vous avez fait, vous avez aussi... Vous n'avez pas fait dans la dentelle. Mais maintenant, quand ça tombe alors sur les yeux des gens que même... Ce sont les gens si qu'on a vraiment évité que les images qu'on voit comme ça. Certaines choses qui n'étaient pas au courant. Parce que je vous avais fait comprendre l'autre jour que beaucoup des membres haut placés du gouvernement ne sont pas au courant de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ils ont que les gens qui leur rapportent des événements. Oui. Et les gens du pays fonctionnent beaucoup avec des groupes WhatsApp. Ils fonctionnent pas tellement avec Facebook. Oui. C'est comme ça. Que quand ça tombe alors sur eux, que les noms, si que moi, quand vous voyez le DDC a nié qu'il n'est plus pas au courant. Non. On a mis sur le bureau, il a seulement signé. Il a dit que non, il n'était pas au courant. C'était ça qui m'attendait ici. On m'a donné l'ordre. Et effectivement, on donne l'ordre ici. Mais les gens qui ont amené les noms ont perdu de la crise. C'est pour ça que vous avez vu qu'on les a rapatriés. Parce que les gens qui les ont amenés devant là-bas, eux-mêmes, c'était chaud sur eux. C'était chaud. C'était chaud. Que donc? Hein? Je vous ai dit le chemin, et je ne mens pas, Aline Christine sait. Le chemin que Aline Christine Marie Zomomom a utilisé. Elle est parentée avec Marc Atino chez les Fonds. Là-bas, ils ont une parenté. Donc, normalement, Marie Christine Marie Zomomom. Elle est la nièce, une parenté de Marc Atino. Marc Atino est les amis intimes de Ama Piero. Ama Piero, je prononce les noms, j'assume. Ama Piero connaît, fonctionne,
pour le groupe des artistes et autres compagnies avec Nathalie Moudjiki. Nathalie Moudjiki est qui au Cameroun? Nathalie Moudjiki est qui au Cameroun? Est qui? Tout le monde, du moins ceux qui connaissent, savent qui est Nathalie Moudjiki. Et quand ça marche comme ça là, que ma soeur est venue me voir, qu'elle est écrivaine, elle fait dans l'événementiel, elle dit qu'on ne veut pas la mettre en haut, on ne veut pas la mettre en haut, on ne veut pas la faire connaître, les gens sont, on lui tourne le dos et tout. On compatit, on a compati sur Christine Marie Zomombo parce qu'elle est partie se vendre dans le monde de compassion. On a dit ok, si c'est comme ça, il faut aussi que elle aussi on la fasse connaître. Katino a relayé l'info chez sa personne Ama Piero. Ama Piero a dit que bon, la culture camerounaise est vaste et tout le monde peut y profiter. Il a pris Moudjiki. Il a mis dedans. Moudjiki est allé jusqu'à l'anniversaire avec un gros bouquet de fleurs de rose à l'anniversaire de Zomombom quand elle était au pays. Et c'est d'où maintenant on a dit qu'ok, on va aussi t'aider. Avec l'appui de Katino et l'appui de Ama Piero, on a pris le nom. D'où le fait qu'elle a chanté, elle allait faire à la chaîne. Quand c'était d'abord la chaîne au Cameroun, là. Voilà comment elle est passée à la chaîne. En passant à la chaîne, elle a pris la grosse tête. C'est où on a dit qu'à la canne, elle va venir. Et pour venir à la canne, sur le biais d'invitation d'ordre supérieur, il fallait que ce soit officiel. Et de là, on lui a dit, choisis deux personnes. Aline a grillé sa dernière carte. Ce qui est sûr, c'est ça. Je parle, j'assume. C'est fini pour elle. C'est fini pour elle. Il n'y aura plus jamais, plus personne ne va lui faire confiance. Parce que vous savez très bien, nous tous, nous sommes là. On ne sait pas les qui nous suivent, les qui vous êtes. Vous-même, vous savez que quand vous avez votre bonne adresse, votre bon placement, votre connaissance sûre, que dans n'importe quelle merde que vous pouvez vous trouver au Cameroun, vous allez dire que pardon papa. Qui n'appelle pas papa, les gens au pays, les gens bien placés au pays, papa. Oh mon grand frère, oh mon père, oh mon grand, oh papa, oh, aide-moi, oh. Qui ne fait pas ça? Qui ne fait pas ça? Nous tous on fait, non? Mais elle là maintenant, c'est mort, elle va aller se contenter de foufou. Maman, le foufoutelage de ça. Bravo. Ne venez pas mentir que oui, c'était Fleur qu'on devait prendre. Zéro. Fleur n'était pas dans la liste. Zéro. Fleur n'était même pas dans les esprits de Zomombom. Le but de Zomombom, c'était d'utiliser le lot pour mieux appuyer les autres. Ça n'avait rien à voir avec Fleur. Fleur est partie de ses propres moyens. Elle protège. Qu'elle soit partie pour qui ou que ce soit, je m'en fous. Mais l'essentiel, c'est que apprenez à fermer vos bouches. Apprenez à fermer vos culs. Apprenez à fermer vos chattes. Quand vous êtes dans un domaine où les noms des gens sont précieux et que les noms des gens sont pour vos pour. Oui, oui. Oui, je suis enrhumée, Elise. Je suis enrhumée. Vrai, vrai. Je devais faire la vidéo aussi hier, mais j'étais très malade. J'ai chopé la température. C'est moi qui ai acheté ça. J'ai acheté ça pour faire le test COVID hier. Voilà mon résultat. Voilà mon résultat. Négatif. Parce que je suis allé faire le test. J'ai fait le test qu'on ne sait jamais si je suis covidé ou pas. Apparemment, elles sont invitées par Congel Cam. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Ça, c'est ce qu'elles veulent créer pour faire comme si. Que comme Foufou a dit que. Oh, j'ai dit qu'on peut danser aussi devant le siège de Congel Cam. Ça, c'est des conneries de tapage des réseaux sociaux pour aider le tribalisme. Non. Quand vos soeurs ont mal fait, dites-leur la vérité qu'elles ont mal fait. C'est comme ça et pas autrement. Oui, oui, je suis enrhumé. Je suis enrhumé de tout à l'heure, non.
J'appape de ça. Merci. Hein? J'ai fait mon test. Il est quelle heure? Je veux voir l'heure qu'il est. Pardon. On peut rester comme ça, même 2 heures en ligne. Non, elles sont pas. Ne vous écoutez souvent, Foufou. Attendez alors. Vous avez remarqué une chose, non? Est-ce que vous avez remarqué que Aline Christine Marie Mombom n'accule pas Lolo? Elle ne prononce pas Lolo depuis là. Elle attend la sortie de Lolo aujourd'hui pour maintenant prendre sa position. Depuis qu'elle fait ses directs là, elle ne parle pas mal de Lolo. C'est Foufou qui fait le sale, la salle. Elle est comme elle fait la salle besogne. Chip s'en fout. Elle c'est comme elle a vu que c'est de Lolo qu'on parle, elle veut aussi qu'on parle d'elle jusqu'à prendre le coup devant les gens, capturer, aller dire. Parce que Foufou, elle veut qu'on parle de la toupie. En bien ou elle s'en fout. En mal ou elle s'en fout. Donc elle fait même exprès. Elle fait même exprès de dire que je parle un coup pour que on pas fait. Comme elle a vu que depuis là, on parle plus de Aline Christine. Ça l'énerve. Ça l'énerve parce que maintenant le buzz, on se concentre sur Aline. Pourquoi? Parce qu'on sait que Aline au moins a un peu là-dedans. Aline a de la jugeote dans son cerveau. Aline a de la tête. Donc, le fait qu'on parle trop d'Aline, comme moi-même, je fais les posts seulement sur Aline, je sais à qui je m'adresse, parce que je sais que c'est elle qui a un peu dans la tête. Hein? Donc, ça l'énerve. Il faut que non, que le buzz revienne sur elle aussi, qu'elle a été. Non, mais nous, on ne peut pas faire le buzz sur quelqu'un qui prend le coup. Vous-même qui faites le buzz sur quelqu'un qui prend le coup en public, elle dit, non, je faisais semblant. Elle fait semblant où? Quand vous ne regardez pas, elle tire, ça raille. Nimbomi jeminto mitel mingana. Moi, au moins, je suis enrhumé. Ah, putain, le bordel. Au soin, là. Aïe, le boulot. Au soin de ça, la honte. Aline n'a pas encore parlé de Lolo. Parce que elle en a. Elle attend la sortie de Lolo ce soir. Pour maintenant savoir comment elle se positionne. Oui. C'est la sortie de Lolo ce soir qui va faire qu'on sache. Aline va se positionner par rapport à ça. Ce que l'autre raconte là, que c'est grâce à moi que on t'a pris Lolo, on devait prendre Fleur de Lune, c'est du pipotage, c'est du vent pour se donner un peu d'intérêt. Est-ce que Tata Aline a confirmé que c'est ça? Jamais. Elle n'est pas bête non plus. En tout cas, moi je vous aime bien, je vous laisse. On a beaucoup causé. On va tous. L'histoire retiendra que deux filles Betty, Élise. Kouili, tu veux quoi? Il y a des élites partout. C'est pas seulement Oyon Info, mais il y a des élites partout. Tu sais, c'est où je dis que les gens, parfois, vous les voyez intelligents. Allez, je vous laisse. Vous m'embrouillez déjà, bye.